l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire de la fête d'indépendance du Maroc, on a décidé d'organiser une journée de don de sang ici en Côte d'Ivoire. Cette journée est un signal très fort humanitaire pour répondre à l'appel de ce centre qui a une pénurie de poches de sang. Notre présence ce matin s'inscrit dans le cadre des collaborations Sud-Sud qui unissent nos deux pays, à savoir la Côte d'Ivoire et le Maroc. Vous n'êtes pas sans ignorer que les relations qui unissent la Côte d'Ivoire et le Maroc sont des relations de fraternité. Et au titre de ces relations de fraternité, nous avons une collaboration économique. Et au-delà de cette, à côté de cette collaboration économique, nous avons voulu nous inscrire dans le cadre du social. Cette forte mobilisation que nous avons eue aussi dénote de l'implication de notre guide spirituel qui est le Cheikh Malick Konaté dans les relations ivoiro-marocaines. Voilà. Et en tant qu'une structure humanitaire, le don de sang étant un acte de portée humanitaire, nous ne pouvons pas donc rester en marge de ce qui est en train de se faire. Donc c'est notre manière à nous de venir soutenir la communauté marocaine, mais également soutenir nos parents qui sont dans le besoin. Donc à travers notre geste, nous voulons vraiment venir en aide à nos parents, à ces personnes-là qui sont malades, qui sont en attente de sang. Et à travers ce geste, sauver en tout cas des vies humaines. Puisque c'est ça aussi l'objectif de Foi pour Servir. Donc c'est un honneur pour nous de nous tenir aux côtés de nos frères marocains dans cet acte de haute portée humanitaire, n'est-ce pas, qui est le don de sang. Et cette année a été placée sous le thème « Le sang pour tous ». Vous savez que le sang, c'est quelque chose de très fort. Quand on parle de sang, c'est un symbolique de rapprochement, n'est-ce pas? Donc, nous trouvons ici ce matin aux côtés de nos frères marocains dans la troisième édition de ce don de sang. Va sans dire que cela participe forcément au renforcement des liens entre ces deux peuples. Aujourd'hui, les Marocains se mobilisent. Ce n'est pas leur première fois parce que c'est des anciens. Ils sont plusieurs fois passés ici. Nous sommes très fiers parce que c'est ce que nous demandons à toute la population, que ce soit ivoirien, que ce soit étranger, de venir donner du sang. Parce que le sang n'a pas d'ethnie. Le sang, une fois que tu viens donner du sang, c'est que tu as un sentiment envers la population ivoirienne. Aujourd'hui, il y a trop de malades. Et souvent, nos malades sont confrontés à certaines situations sur le don de sang. Donc, sans le sang, on ne peut pas sauver des vies. Aujourd'hui, nous pouvons atteindre près de 24 000 et quelques donneurs de sang, qui donnent pas trop réguliers, mais ceux qui ont l'habitude de donner régulièrement, on sait qu'ils sont un peu nombreux. Ils peuvent atteindre au moins 5 000 donneurs de sang.